Et ici, Sansa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis super contente. Comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, je vais faire un crash test. Donc, je vais tester le masque de chez Action Bubble. J'ai dû le payer 99 centimes par là, donc vraiment, c'est pas cher. Bon, après, c'est pas quelque chose de qualité. Du coup, pour ce qui concerne la notice, alors c'est un masque visage moussant. Au contact de la peau, le masque se met immédiatement à mousser. Pour l'utilisation, appliquez le masque sur la peau propre et sèche en ajustant les ouvertures au niveau des yeux, du nez, de la bouche, etc. Et appuyez pour établir un bon contact avec la peau. Laissez agir pendant 10-15 minutes, puis massez le sérum restant dans la peau et rincez à l'eau chaude. Donc c'est un usage unique. Puisque c'est un x1 et que ça va pas se réutiliser. Du coup, je vais directement aller me rincer le visage et je reviens tout de suite. Bon, du coup, là, je viens de me rincer le visage et je me le suis séché. Du coup, bah, je vais directement commencer par l'appliquer. Déjà, je vais retirer mes lunettes. Et oui, vous m'avez pas vu les lunettes retirées. Attention. Petit slow-mo. Bon, du coup, vous inquiétez pas, je vois très bien sans mes lunettes, juste que je ne vois pas trop de loin. Bref, on va s'attarder sur là-dessus. Ça va rien dire, mais c'est pas grave. Juste, je voulais vous dire que je me suis tapé une grosse barre en faisant le montage. Vraiment, ce que j'ai dit, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Bref, je vous laisse avec la suite. Du coup, je me suis munie d'un petit miroir que je vais allumer parce qu'il est juste trop beau. Voilà. J'ai dû l'acheter, je ne sais plus où. Je crois que c'est au marché aux affaires, donc c'était vraiment pas cher. Je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, je vais le laisser allumer pour que je me voie bien. Sinon, je vais l'appliquer à côté et ça va être très moche. Du coup, alors, si on voit comme sur la photo que ça va être comme ça, franchement, on dirait qu'il est tout déchiqueté. J'espère pas du tout. Je vais me remonter les manches, sinon je sens que je vais m'en foutre partout. Mes cheveux, je vais les laisser comme ça. Je vais juste bien les mettre en arrière. Voilà, voilà. Alors du coup, on va ouvrir. Hop là. Franchement, ça sent bon là. D'ici, ça sent super bon. Ouais, par contre, il est vraiment hyper mouillé. Je vais m'en mettre mais partout. Ah. Ah oui, il est vraiment très imbibé. Du coup, bah, il est comme ça, donc je vais le déplier en espérant que je vais pas en mettre partout sur mon lit. Faut déjà que je trouve les yeux. Oh là là, c'est galère. Tac. Bon, je vais pas vous montrer parce que là, c'est un peu carnage. Voilà. Donc là, je l'ai ouvert. Ah, faut que je le mette à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Tac. Bon, du coup, là, je vais le mettre. Oh, c'est froid! Je l'ai mis n'importe comment. Non, c'est bon. Oula, c'est catastrophique. En plus, j'ai un petit visage, donc franchement, voilà. Tac. Ok. Donc ils ont dit, je crois, faut masser un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire. En plus j'ai des boutons, j'ai l'impression que ça me brûle un peu. Tac. Allez, on rince un peu, on masse. Ok, donc j'ai une tête dans mon œil là. Tac. Bon, voilà. C'est mis. Alors là, il est 16h17, du coup bah, je vais attendre 10 à 15 minutes, je sais pas trop. Je vais juste revenir, je vais aller me rincer les mains parce qu'il faut que je vous montre d'autres choses. Du coup, bah, ça sera déjà plus simple, voilà. Je reviens. Du coup là, je suis revenue. Oh la vache, le temps que je revienne, il a extrêmement moussé de ouf. Franchement, c'est incroyable. Par contre, ça me brûle, donc je sais pas si c'est normal. Je vais le laisser poser 10 à 15 minutes. Je sais pourquoi, parce que j'ai des boutons et je sais que ma peau elle est assez sensible. Je sais c'était écrit de ne pas le faire, mais j'en fais pas mal des masques. Donc franchement ça m'a jamais rien fait, donc voilà.
Du coup, en attendant ces 10-15 minutes que je ne loupe pas l'heure, du coup, je vais vous présenter d'autres petits masques. Donc là, j'ai acheté un autre masque qui est à la myrtille et au yaourt. Du coup, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, j'en ai acheté un autre. Donc celui-ci, il a la groseille. Du coup, bah voilà. Et j'en ai acheté un troisième, donc je pense que vous connaissez, c'est à l'argile. Du coup, bah voilà. Et j'ai acheté un masque pour ma mère. Donc c'est un masque anti-âge. On s'était pas vraiment voulu, de base je voulais l'acheter pour moi. Et après j'ai vu que c'était anti-âge et je me suis dit bon, au pire des cas, je vais quand même le tester. En plus c'est un gold, ça a l'air d'être trop trop bien. Du coup je l'ai ouvert tout à l'heure pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Oui, parce que tous ces masques je les ai achetés aujourd'hui. Du coup c'est des petits packs comme ça, donc il y en a 4. Donc franchement c'est mini format, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça c'est un masque par contre à appliquer. Donc voilà. Et tous les autres que je vous ai montrés, c'est pareil, c'est des trucs en tissu. Par contre j'ai mon masque qui est en train de me descendre dans la bouche. Ah, mais oui, ça mousse. Mais ça a moussé direct. Genre j'ai regardé d'autres vidéos. Je vais juste remonter ça là parce que c'est en train de me faire une moustache. Ouh, la petite mousse. Du coup voilà, franchement ça mousse de ouf. Je suis grave choquée. Genre il a même pas moussé. Allez, hein, il a moussé en 3 minutes quoi, genre direct. Franchement je suis choquée. Du coup, en attendant, et oui, parce que comme tout youtubeuse, youtubeur, on fait des miniatures. Du coup bah je vais poser pour ma miniature. Du coup bah c'est parti, à des fois on a l'air con comme ça en mode. Bon du coup je vais essayer de la faire bien. C'est un peu gênant mais bon c'est pas grave, en plus ça me descend dans la bouche, c'est horrible. Du coup c'est parti. Bref, j'espère que ma miniature sera réussie parce que là ça me gêne genre au niveau de la bouche, c'est horrible, ça fait que descendre. Mais oui, ah mais parce que je sais pourquoi j'ai pas assez remonté mon nez ni la bouche. Ok, on va faire comme ça là. Ok, je vais aller chercher des mouchoirs. Bon, du coup voilà, je me suis essuyé les petits doigts, voilà. Du coup, tiens, je vais vous montrer le petit carnet que j'ai. Donc c'est où je note mes vidéos que je vais faire prochainement. Donc je vous montre juste vite fait comme ça parce que je vais pas vous montrer bien sûr. Du coup dites-moi les vidéos que vous aimeriez faire en commentaire. Et également du coup si vous voulez que je fasse un crash test avec ces petits masques que j'ai achetés. Donc tout cela je les ai achetés... pareil, 99 centimes un seul, idem pour celui-là. Du coup, bah, ça se trouve dans tous les actions, hein, je pense, donc voilà. Donc après, là, techniquement, au niveau du masque, j'ai craché partout. Oh non, mais cette vidéo, elle n'est pas du tout réussie. Quand je parle, je vous jure que ça postillonne, genre les bulles qui rentrent dans ma bouche, ou je sais pas ce qui se passe, mais ça me descend, c'est horrible. On dirait un vieux monsieur comme ça là, c'est horrible. Bon là ça me saoule, il fait que descendre. Tac, j'espère que ça va tenir comme ça. Par contre, eh, vous avez vu comment il a moussé de ouf? Non mais on dirait que j'ai le visage déformé. Ça me... J'ai l'impression que mon visage il a gonflé, il a doublé de volume de ouf là. Du coup là il est... 23. Aussi du coup je voulais vous dire, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je fais énormément de sondages en ce moment, donc je sais que ça vous intéresse. Du coup pour ceux qui me suivent que sur YouTube, venez me suivre aussi sur Insta, également sur Snap, TikTok et ma page Facebook où je poste juste mes vidéos, donc je suis pas trop active. J'ai juste fait cette page vraiment pour ceux qui veulent me suivre. Sur tous les réseaux ou ceux qui s'intéressent. Dès que je poste une vidéo, ils le savent s'ils sont actifs sur Facebook, etc. Vous trouvez pas que je ressemble à un monstre comme ça? Ça fait peur, hein. Franchement, là, je me fais peur. On dirait pas moi. On dirait que j'ai posé, je sais pas, du latex. Ou je sais pas trop quoi, là. En plus, là, ça me fait un bouc. Et j'ai toujours ce putain de truc qui me descend dans la bouche. Je vais finir par le bouffer, le truc, hein. Du coup voilà, après ce qu'il y en est là, c'est, j'avoue que ça me brûle quand même le visage un peu. J'ai la peau sensible, c'est pour ça, c'est chiant, je le sais.
Alors j'ai eu un petit problème avec ma caméra car la vidéo s'est arrêtée. Donc en tout, j'ai laissé poser le masque 11 minutes. Du coup, je suis partie me laver le visage. Du coup, je suis revenue, j'ai bien rincé le sérum que j'ai bien massé juste avant. Et du coup, franchement, je trouve que ça m'a rien fait. J'ai juste au niveau où j'avais déjà mes boutons, ça me fait des sortes un petit peu de rougeur. Mais c'est normal, c'est pas grave. Sinon, après, le masque en lui-même, je trouve qu'il est drôle. Donc, je peux vous le conseiller. Et ça coûte pas cher. Donc, pour ce que c'est, vous pouvez l'acheter. Donc, voilà. Du coup, cette vidéo, elle m'a extrêmement fait plaisir. J'ai trop aimé. Genre, tester le masque, vraiment. Je vais juste remettre mes lunettes pour finir cette petite vidéo. Voilà, je vous vois mieux même si je ne vous vois pas. Voilà, donc j'espère que ce crash test vous aura plu. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous !